De destin que celui de Louis Fournier. Pour bien des gens, la vie est ce long fleuve tranquille, assaisonné de bénignité survenue dans le déroulement de la trilogie Métro-Boulot-Dodo. Lui, il s'est constamment promené dans les événements au sujet desquels on écrit des rangées de livres. Ainsi, ses études l'ont amené dans une France secouée par l'inimaginable état de désobéissance civile qu'a été mai 68. De retour à Montréal, étant devenu journaliste à la station CKAC, c'est lui qui fait la lecture en onde du manifeste du FLQ, 24 heures avant que Gaétan Montreuil ne le fasse à la télé de Radio-Canada. Ce qui l'amène au cœur des belles aventures médiatiques qu'ont été l'Hebdo Québec Presse et le quotidien Le Jour. Après, on le retrouve incorporé à l'équipe du Fonds de solidarité FTQ en tant que patron des coms. Puis à la FTQ comme responsable des relations publiques durant les périodes Godbout et Massé. Doit-on ajouter que pendant tout ce temps, il a signé autant de livres que bien des auteurs mieux connus? Une étonnante trépidation que Louis Fournier a bien voulu partager avec un vieux compagnon d'armes, André Leclerc. Cher Louis, merci de nous accueillir. Ça me fait plaisir. Ça va être l'occasion pour nous deux de se rappeler de nombreux souvenirs. On va faire un grand tour d'horizon, mais on va commencer par ton enfance. Tu es né, si je ne m'abuse, à Saint-Bruno de Montarville. Saint-Bruno était un village d'à peu près 2000 habitants. Ça a été une enfance heureuse. Moi, j'étais le cinquième d'une famille de 7 enfants. Et mon grand-père, Edmond, vivait avec nous à la maison. Edmond avait travaillé comme charpentier-menuisier à peu près toute sa vie à Montréal. Il était né à Warwick, dans les cantons de l'Est, mais il travaillait à Montréal. Il était membre d'un syndicat qui est devenu par la suite un syndicat de la FTQ, la Fraternité unie des charpentiers-menuisiers d'Amérique. Le local 134. La section locale 134. Et mon grand-père n'a jamais été un grand militant syndical, mais il était pro-syndical. Et Edmond s'est marié. Il a eu qu'un seul enfant, oui. Mon père, Dona. Oui. Et parce qu'il était seul, sans doute, il a pu faire des études. Des fils de menuisier à l'époque. Études à Montréal, au Collège Sainte-Marie. Collège Sainte-Marie, classique. Où je suis allé aussi par la suite. Alors, mon père est devenu médecin. Et il a connu ma mère quand il était interne à l'hôpital Notre-Dame à Montréal, qui était infirmière. Ah bon? Alors, les deux se sont mariés et ils se sont installés à Saint-Bruno, où le médecin venait de décéder. Alors, mon père a été un médecin de campagne, ce qu'on appelle un médecin de campagne. La belle époque des médecins de campagne qui faisaient des visites à la maison, qui allaient dans les rangs. Mon père était à Saint-Bruno, avait son bureau à côté de la maison à Saint-Bruno, mais il allait à Sainte-Julie, Saint-Basile, Saint-Amable, Saint-Hubert. Il faisait toute la région environnante. Et il avait même des patients qui venaient de McMasterville, où il y avait une usine de la CIL. Oui. Ça m'est toujours resté parce que ces patients-là venaient voir mon père parce que le médecin de la compagnie à McMasterville ne parlait pas français. Ah, mon Dieu. Alors, il prenait le train pour venir à Saint-Bruno. Et alors, mon père, c'est un peu une légende à Saint-Bruno. Il a fait, à peu près 2500 accouchements. On rencontrait des gens qui disaient à mon père, « Ah, ben oui, c'est vous qui m'avez mis au monde. » Et il soignait tout le monde. Il se faisait pas payer souvent, surtout quand il a commencé dans les années 30. C'est les années de la crise. Alors, c'est vrai ce qu'on raconte, là, que les gens le payaient avec des poches de patates et puis des poules et puis pour moi, c'était un peu mon héros. Mon père, c'était un homme que j'ai toujours admiré, qui travaillait, qui était généreux avec les autres. Il a été maire du village en 1950. Il était marguillier de la paroisse. C'est un peu les notables de l'époque. Oui. Quand je pense à mon enfance, c'était une belle période parce que vraiment,
tu le croiras pas, mais à côté de chez nous, il y avait un champ avec des vaches. Il y avait un cultivateur qui habitait juste à côté de la maison chez nous. Il y avait des bois partout où on se promenait. La montagne de Saint-Bruno, c'est devenu un parc aujourd'hui. Il y a 6 lacs sur la montagne à Saint-Bruno. On allait se promener là quand on était jeune. Il y avait sur la montagne des grosses résidences. Là. Ça, c'était... Il y avait une dichotomie entre les... le bas-peuple. La montagne était possédée par une association anglophone. C'était privé. Privé. Ceux qui avaient des maisons là, c'était des gens comme la famille Burks à Montréal qui avaient des bijouteries. Et donc, peut-être une douzaine de familles d'anglophones qui s'étaient installées des belles résidences secondaires de campagne à Saint-Bruno auprès des lacs. Alors, nous, on allait à la montagne. Finalement, il fallait qu'on y aille en cachette, ouais, évidemment, parce qu'il y avait des gardiens. Parce que, ouais. Mais mon père soignait ces gens-là. Il était appelé par les Anglais de temps en temps pour aller les soigner. Alors, ça donne vraiment une idée du Québec, là, où tu avais une minorité possédante anglophone et puis une majorité de travailleurs français. Est-ce que jeune homme ou même ado, tu avais conscience de cette différence de classe? J'ai senti tout ça. C'est ce qui m'a orienté par la suite vers le mouvement syndical. Finalement, j'ai fait presque toute ma vie dans le mouvement syndical. Quand un grand-père qui a été dans un syndicat, évidemment, ça... T'apprends des choses et puis... non, je dirais que dès l'époque là, de ma jeunesse, j'étais du côté des travailleurs. Puis t'étais conscient là, de la condition ouvrière, puis même si ton père était médecin, c'était quand même pas un médecin élitiste, il était très proche des gens. Là. Ben oui, les médecins de campagne à l'époque étaient vraiment près des gens, puis... Alors, mon père m'a envoyé au même collège que lui. Il trouvait que c'était un bon collège. Le collège Sainte-Marie à Montréal, c'était les Jésuites. Mm-hmm. Mais Sainte-Marie, c'était pas Brébeuf. Il y avait Brébeuf qui était pour la classe un peu dirigeante. Sainte-Marie, tu avais des gens un peu plus populaux qui allaient au Sainte-Marie. Alors, pour moi, ça a été une découverte parce que j'étais pratiquement jamais allé à Montréal avant l'âge de 12 ans, quand j'ai commencé au collège Sainte-Marie. Alors, et à Sainte-Marie, je suis devenu anticlérical. Comme toi, je pense, puis beaucoup de gens de cette époque-là. Mais en même temps, je reconnais que le Collège Sainte-Marie m'a donné une formation, m'a permis d'apprendre finalement un peu comment fonctionner en société. Puis en plus, au collège, à l'époque, tu te souviens, il n'y avait pas que les cours, non. Il y avait ce qu'on appelait les parascolaires. Alors, je suis devenu journaliste au journal étudiant, évidemment. Le Sainte-Marie. Ça a été mon apprentissage. C'est là que j'ai eu la piqûre pour le journalisme. Je savais dès le collège que j'allais devenir journaliste. Je suis devenu directeur de ce journal-là, puis ensuite président de la presse étudiante nationale. Ça a été vraiment la piqûre. C'est ça, la presse étudiante nationale qui rassemblait tous les journaux étudiants. C'est ça. C'était une belle époque aussi pour le mouvement étudiant, si tu t'en souviens, parce que c'est l'époque où on a fondé le syndicalisme étudiant. Oui. Alors même dans le mouvement étudiant, il y avait encore le mouvement syndical. On a fondé des associations générales d'étudiants à Sainte-Marie, dans d'autres collèges. Je me promenais beaucoup, moi, à l'époque où j'étais président de la PEN. Et j'allais parler. J'allais partout. Je suis allé en Abitibi, je suis allé au lac Saint-Jean, puis je rencontrais des jeunes, puis je leur passais le message. Il faut des syndicats étudiants dans les collèges, puis les universités. Et c'est là qu'on a fondé l'Union générale des étudiants du Québec, l'UGEC, qui était le premier grand syndicat étudiant. On a retrouvé après là-dedans des gens comme Louise Arel, Gilles Duceppe, Bernard Landry était un des fondateurs de... Avant, oui. Le mouvement étudiant nous a beaucoup appris aussi à travailler collectivement. Et pour moi, ça a été une découverte aussi toute cette période-là. C'était tes premiers pas dans le syndicalisme, au fond. J'ai commencé jeune, jeune. J'ai tombé dedans quand j'étais jeune. Puis à la sortie de ton cours classique, tu te diriges en... Alors, j'ai fait des études en sciences politiques à l'Université de Montréal. Alors, je suis allé à l'Université de Montréal. J'ai fait un baccalauréat en sciences politiques. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait une école de journalistes, il n'y en avait aucune au Québec à l'époque. Il aurait fallu que j'aille à Carleton, à Ottawa. Et il y avait une école de journalisme en France, à Strasbourg. À Strasbourg. En Alsace, qui s'appelait l'École internationale de journalisme de Strasbourg, rattachée à l'université. J'avais commencé à travailler comme journaliste quand j'étais étudiant en sciences politiques, à 20 ans, au début de l'année 65.
Il y a un poste qui s'est ouvert pour travailler les fins de semaine, faire les bulletins de nouvelles au poste CKAC, qui était une grande station de radio de l'époque. T'avais un frère qui était là. Et j'avais un frère qui m'a servi un peu de piston, oui. Mais j'étais déjà capable de taper, d'écrire, de tout ça. Alors, ils m'ont engagé pour faire les bulletins de nouvelles le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Alors, en plus d'étudier, de m'occuper du Quartier Latin aussi, parce que j'étais au Quartier Latin à l'époque aussi, j'ai... Le journal de l'Université de Montréal. J'ai commencé à travailler à CKAC. J'ai vu ce que c'était qu'une salle des nouvelles. J'ai vu comment ça fonctionnait. Et ça aussi, ça m'a poussé là, à partir un peu. Puis, alors, j'avais 22 ans quand je suis parti en septembre 67 en France. Alors, laisse-moi dire que c'est un gros choc culturel, oui. Même pour un Québécois qui parle français, d'arriver dans un pays comme la France. Et en plus, figure-toi que j'arrive en France à l'automne 67. Et au mois de mai 68, qu'est-ce qui arrive en France? mai 68. La révolution, André, la révolution. Oui. Je suis devenu révolutionnaire, entre guillemets. Mais oui. Quand t'es jeune, j'avais 23 ans là, quand c'est arrivé, là, 68. Et puis on était, évidemment, on a occupé notre école, on était en grève, on faisait des manifestations, la police, le gaz lacrymogène. J'ai à peu près tout connu. Pour moi, là, ça a été ma période probablement la plus gauchiste. Là. J'étais vraiment pour la Révolution. Je pensais que la Révolution allait arriver. Écoute, une grève générale de 10 millions de travailleurs. Non, j'avais jamais vu ça de ma non. vie. Je ne l'ai pas vu depuis ce temps-là non plus. Mais... Et ça m'a vraiment... là, je me suis dit... je me suis armé le marxisme. J'ai appris à connaître un peu ce que c'était que les grands classiques du marxisme. Et puis, un petit peu, la gauche en France, c'est quelque chose d'assez compliqué. Hein. Les syndicats aussi, il y avait la CGT communiste, la CFDT qui venait des syndicats chrétiens, et se démêler dans tout ça. Mais pour moi, ça a été très formateur. Ben, oui, ça a été très formateur. Mais ça a été une période excitante. Alors, pendant ton séjour en Europe, bien sûr, tu vis mai 68, des périodes ultra excitantes, mais il t'arrive quelque chose aussi dans ta vie privée. C'est important pour moi parce que figure-toi que ça fait 53 ans que je vis avec Marie-France Wagner, une authentique Alsacienne que j'ai connue à Strasbourg, effectivement. Et elle était professeure de français dans un collège à Verdun. Elle est venue ici. Au Québec, deux, trois fois pour voir comment que c'était là. Puis la dernière fois qu'elle est venue, elle a décidé de rester. Et Marie-France, figure-toi, arrive ici le 3 juillet 70. Et trois mois plus tard, c'est la crise d'octobre. De tes études à Strasbourg, t'es retourné à CKAC. C'est ça. Comme j'avais travaillé longtemps à CKAC, je savais qu'il y avait un poste qui m'attendait plus ou moins à CKAC. Alors, j'ai commencé à travailler à CKAC à l'été 70. Et arrivent donc les événements d'octobre. Les événements d'octobre. Et puis, nous, à CKAC, on reçoit des communiqués du FLQ. Oui. Et... En plus, on reçoit le manifeste du FLQ. En fait, je reçois le manifeste. J'étais là quand il y a une enveloppe qui a été apportée avec le manifeste qui était à l'intérieur. Là, la direction de CKAC n'a pas voulu qu'on diffuse ça tout de suite. C'était donc le 7 octobre que je reçois ça. Et le lendemain, le ministre des Affaires étrangères, M. Mitchell Sharp, annonce que Radio-Canada va le diffuser le lendemain. Alors là, les patrons de CKAC, évidemment, se sentaient en confiance. Alors, j'avais déjà enregistré le manifeste et on l'a diffusé le soir du 7 octobre. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le FLQ veut l'indépendance totale des Québécois réunis dans une société libre et purgé à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée du cheap labor et de l'exploitation sans scrupules. Le FLQ n'est pas un mouvement d'agression, mais la réponse à une agression, celle organisée par la haute finance, par l'entremise des marionnettes des gouvernements fédéral et provincial. Le show de la Brinks, le Bill 63, la Power Corporation, l'assurance médecin, les gars de la Palme. Le FLQ s'autofinance d'impôts volontaires, prélevés à même les entreprises d'exploitation des ouvriers,
banque, compagnie de finances. Oui, il y en a des raisons à la pauvreté, au chômage, au taudis, au fait que vous, M. Bergeron de la Révisitation, et vous, M. Leclerc de Ville de Laval, qui gagnez 10 000 $ par année, vous ne vous sentez pas libre dans notre pays, le Québec. Et ça continue comme ça. Ça a été diffusé à Radio-Canada, à la télévision, le lendemain, avec Gaétan Montreuil. Et sais-tu, Gaétan Montreuil, peu de gens savent ça, Gaétan Montreuil, c'est un gars qui est né à Saint-Henri, dans une famille ouvrière. Ah oui? Et quand il a lu ça là, à la télévision de Radio-Canada, j'ai la citation de Montreuil, il l'a dit dans un reportage à Radio-Canada de Guy Gendron, il trouvait que c'était exactement sa vie et la vie de ses parents ouvriers qui étaient racontés dans ce manifeste. Est-ce qu'on sait qui était le principal rédacteur? C'est un gars qui s'appelle André Roy. André Roy. Qui était professeur de français, puis qui est devenu chauffeur de taxi, comme Langteau, qui était professeur de français, et membre du mouvement de libération du taxi, le MLT. Alors, c'est André Roy qui a fait la première version. Et ce communiqué-là était déjà prêt à Prévost. Oui, c'est ça, pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement du consul américain. Ils ont trouvé un brouillon de manifeste. Et un communiqué qui était à peu près celui qui a été lu en octobre. Tout était prêt. Mais ils se sont fait attraper deux, trois jours avant. Là. Ils ont suivi une filature, quelqu'un. Puis, c'est toute une époque hein, que les jeunes ne connaissent pas aujourd'hui. Des fois, je me dis, mon Dieu. Mais le résultat de tout ça, André, c'est que le 9 octobre, deux jours après que j'ai lu le manifeste en ondes, la police arrive chez nous. Et ma femme était là. Et ils m'ont arrêté et amené au quartier général de la police de Montréal. Ça a duré 4 heures pour un interrogatoire, mais pendant ce temps-là, ils ont perquisitionné la maison. Ils ont fouillé partout. Et ma femme est arrivée de son travail pendant que les policiers étaient là. Ils lui ont dit, madame, vous reviendrez, là, on a du travail à faire. Et ma femme m'a dit après, j'ai pensé que j'étais dans un pays d'Amérique latine quand j'ai vu, il y avait 7-8 policiers qui étaient chez nous. Je suis sûr qu'ils ont posé un micro pendant qu'ils ont été là. Ils ont fouillé partout, ils ont emporté des documents. Et en plus, figure-toi qu'ils ont emporté ma machine à écrire. Il y a peut-être des jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est une machine à écrire, mais dans ce temps-là, manuel. On écrivait manuel. Et donc, il y a des policiers qui ont dû penser que j'avais pu écrire. C'est ça, les communiqués du FLQ, ils sont partis avec ma machine à écrire. Pendant voir s'il n'y a pas les empreintes. Exactement. Alors, j'ai pas eu ma machine à écrire pendant 3 mois. J'ai écrit à M. Jérôme Choquette, le ministre de la Justice, pour qu'on me redonne mon outil de travail. Et finalement, 3 mois après, ils m'ont redonné ma machine à écrire. Mais ça me donne une idée de l'époque que j'avais 25 ans. C'est sûr que j'étais sympathisant de tout ce qui se passait là. Pas pour la violence, mais ce que le FLQ demandait, puis ce qu'il y avait dans le manifeste. D'ailleurs, il y a eu une sympathie et une approbation assez générale du contenu du manifeste dans la population. C'est ce qui a fait peur aux autorités. Oui. C'est ce qui nous a conduit à la loi sur les mesures de guerre et puis à l'armée, puis au-delà de 500 arrestations. Puis... Alors moi, j'ai vécu tout ça très, très personnellement. Ça m'a tellement marqué, cette période-là, que j'ai écrit un livre par la suite sur l'histoire du FLQ. Et la troisième édition de ce livre-là a été publiée en 2020. Je l'ai sur 40 ans. J'ai continué de suivre un peu tout ce dossier-là. Puis on a appris beaucoup de choses sur ce qui s'était passé derrière, hein, les espèces de faussetés que le gouvernement fédéral, puis M. Trudeau en particulier, ils avaient convaincu un journaliste de Toronto de publier une nouvelle disant qu'un coup d'État se préparait au Québec, avec René Lévesque à la de ça, Jacques Parizeau, Claude Ryan. Même Claude Ryan. Ça avait été publié en première page du Toronto Star. Et ce journaliste-là racontait des années après que c'est Trudeau et Marc Lalonde qui lui avait dit ça, sous le sceau du secret. Alors, c'était des top-level sources non identifiées, mais ça donnait une idée là, des mensonges qui ont été véhiculés pour faire peur au monde. Et c'est épouvantable, cette période-là. J'espère que les gens vont s'en rappeler longtemps. On a une devise au Québec, je me souviens, mais là, ce qu'on a vécu là, ça a été le plus près du fascisme et du totalitarisme qui a pu se passer au Canada, arrêter des gens là, sans raison. De... Oui, 99% de ces gens-là étaient innocents. Et il y a un beau film qui a été fait là-dessus, Les Ordres aussi. Puis Les Ordres, il faut s'en souvenir de la crise d'octobre parce que
ça nous a montré dans quel genre de pays on vivait. J'en parle, puis je suis encore tout énervé quand je parle de ça. C'est compréhensible. C'est ça. Ton livre sur le FLQ, tu l'as écrit en 80? 82, exactement. 82. J'étais journaliste à Radio-Canada, et c'était l'époque des grandes commissions d'enquête, la commission Keb, la commission McDonald, l'enquête Duchesne sur la crise d'octobre, et j'avais ramassé, couvert un peu tout ça à Radio-Canada, et amassé du matériel. Depuis 70, j'ai ramassé des choses là-dessus. Quand les commissions d'enquête ont eu lieu, on avait beaucoup de matériel, on a appris beaucoup de choses sur ce que la police avait fait, qu'on ignorait, et puis, alors je me suis dit, il faudrait faire une bonne synthèse de cette période-là. Et j'avais rencontré des Felkis, j'avais rencontré des policiers, des anciens policiers qui acceptaient de parler. Et en 82, chez Québec Amérique, j'ai publié FLQ, Histoire d'un mouvement clandestin, qui a été traduit en anglais l'année suivante, An Anatomy of an Underground Movement, à Toronto. Et j'ai refait une deuxième version en 78 chez Lanctôt éditeur. Ouais. C'est drôle parce que Jacques Lanctôt était un des acteurs, les protagonistes de la crise d'octobre. Il est venu me voir et il m'a dit, Louis, je ne le connaissais pas. Il est venu me voir et il dit, ça serait bon. Il dit qu'on publie une deuxième édition du livre dans ma maison d'édition. Alors, j'ai remis ça à jour un peu. Et j'ai refait une dernière édition récemment. Qui 2020. Va être l'édition définitive, entre guillemets, si jamais une chose peut être définitive, mais pour moi, à l'âge que j'ai, je pense que ça va être la dernière version. Alors, c'est l'ouvrage un peu de ma vie. Ah, si on revient en arrière un peu, qu'est-ce qui t'a amené à quitter CKAC pour aller à Québec Presse? Alors, quand Québec Presse a été fondé en 69, je trouvais que c'était une maudite bonne idée. Et je pense encore aujourd'hui qu'on devrait avoir un journal comme ça. Hein? Alors, quand Québec Presse a été fondé, j'ai été allé voir le rédacteur en chef qui s'appelait Jacques Gay à l'époque, qui était un grand journaliste, qui est devenu professeur de journalisme ensuite à l'Université Laval. Et puis, je lui ai dit que ça m'intéressait de collaborer. Je travaillais à CKAC, je voulais garder ma job, mais je voulais collaborer à Québec Presse. Et il m'a dit, qu'est-ce qui t'intéresse? J'ai dit, moi, c'est les syndicats. Et comme c'était un journal qui sortait le dimanche avec les nouvelles de la veille, j'allais travailler le samedi à Québec Presse. C'est dans la salle des nouvelles de Québec Presse avec des gens qui m'ont marqué pour longtemps, comme Gérald Godin, qui est devenu ensuite député, ministre du Parti québécois, qui était Jacques Kiebel, qui était aussi un grand journaliste, Jacques Gay, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il y avait à Québec Presse le docteur Serge Mongeau, qui avait une chronique de santé. Il y avait beaucoup de gens du mouvement syndical. Émile Boudreau, qui était président de la coopérative, parce que c'était une coopérative, en plus, ce journal-là. Oui. Alors, les syndicats étaient les sociétaires. Ils prenaient des parts de la coopérative de Québec Presse. Il y a eu jusqu'à 3 000 sociétaires de journal Québec Presse, des assemblées générales à chaque année. Et moi, je suis rentré là-dedans doucement, là, juste un peu par la porte d'à côté, mais j'avais une chronique syndicale toutes les semaines. Et ce qui m'a permis de prendre contact avec, finalement, tout ce qu'il y avait dans le mouvement syndical, autant à la FTQ qu'à la CSN, qu'à la CEQ, qu'on appelait à l'époque la CSQ d'aujourd'hui. Et je me suis fait des amis, parce que j'étais très engagé, finalement. J'essayais de garder un peu d'objectivité journalistique. Oui. Surtout à CKAC, puis ensuite quand j'ai été à Radio-Canada, évidemment, mais à Québec Presse, c'est un journal qu'on appelait libre et engagé. Donc on avait des engagements, l'indépendance du Québec, la social-démocratie, et ça paraissait dans ce qu'on écrivait. Ah oui, puis on couvrait le mouvement syndical en priorité, et ça a été une des belles périodes du mouvement syndical aussi. Hein. Il y a un poste qui s'est ouvert de permanent en 71, et Godin m'a dit « Louis, veux-tu venir travailler avec nous? » Et là, c'était là jusqu'à la fermeture. C'était des salaires de misère, évidemment, comparé à ce que je faisais à CKAC, mais il y avait le plaisir de travailler là avec un groupe, puis selon tes convictions. Alors, quand on a négocié notre première convention collective dont j'étais le président, je négociais avec Émile Boudreau du côté patronal, et on n'a rien eu côté monétaire, mais on a allé chercher des belles clauses professionnelles là, qui ont servi d'exemple pour le reste du syndicalisme dans les communications, mais c'était un sacrifice de travailler là, mais un sacrifice qui était voulu, puis qui... Ça a duré 5 ans, une belle aventure. Quand Québec Presse a fermé,
Je suis allé à un autre journal qui a fermé aussi. Alors, j'ai fermé deux journaux, André. Je te dis que ça a été dur un peu à vivre à cette époque-là. Heureusement que ma femme avait un poste dans l'enseignement, puis elle travaillait, parce qu'il y a eu des périodes difficiles. Alors, je suis allé au Jour, qui était un journal indépendantiste, là, qui avait été fondé par René Lévesque, Jacques Parizeau. Et puis, j'ai passé deux ans au Jour aussi, à une période que j'ai bien aimée. Sauf que j'ai rencontré des collègues qui ont poussé beaucoup. Hein. Et le Jour, c'était fragile, hein. C'était comme Québec Presse, puis tu ne pouvais pas demander la lune non plus. Gérald Godin, je me souviens, à ce moment-là, était au conseil d'administration du Jour. Ah oui? Il disait aux gars, là, vous en demandez trop, hein. on peut pas le faire. Là. Et puis effectivement, le journal a fermé faute d'argent. Ça m'a fait tellement de peine au mois d'août 76. Et deux mois après, le PQ était élu, mon vieux, le 15 novembre 76. Si on avait pu garder ce journal-là, et là, avec l'aide du PQ au gouvernement, parce qu'on n'avait pas de contrat de publicité du gouvernement Bourassa, évidemment, qui boycottait le Jour, hein, et les compagnies aussi. Alors, si on avait pu tenir, mais avec des si, hein, on met Paris dans une bouteille, comme dit ma femme. J'ai donc fermé deux journaux. Et après ça, ben, pour être plus sécure, je suis allé travailler à Radio-Canada. Qui est encore là aujourd'hui. Mais j'ai fait d'autres choses entre-temps, par exemple. Quand je suis arrivé à Radio-Canada, le grand patron de l'information, Marc Thibault, m'avait dit, « Monsieur Fournier, il dit là, il dit, vous n'êtes pas à Québec Presse, là. Vous êtes pas au Jour. »